Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle heure miroir 4h04, donc 0404 au moment où vous la voyez sur votre cadran, dans votre voiture, à votre bureau, peu importe où, tant que vous la voyez assez régulièrement. Cette heure miroir, ce sont vos anges qui vous parlent ici de structure, d'énergie. Si vous connaissez des problèmes de santé actuellement, des problèmes de santé physique, voire émotionnelle, et que vous êtes en train de tenter de guérir, les anges vont vous donner la force pour aller puiser en vous, afin de prendre beaucoup plus soin de votre corps, de votre santé, et vous amener vers la guérison. Je vous montre la carte, hein. Vous avez notamment ici, avec le 4, pas mal d'ancrage, de capacité de gouverner, de diriger, de leader, de leadership. Vous pouvez avoir ça en vous depuis très longtemps. Vous avez vraiment une capacité à gouverner, à gérer une équipe, à gérer d'autres personnes. Cela vous annonce le succès dans votre travail et également en amour. Le 4 représente la construction, donc la stabilité. Tout ce qui est du domaine aussi, notamment lié aux hautes responsabilités. C'est-à-dire que vous avez cette façon innée de pouvoir diriger, peu importe le domaine dans lequel vous vous trouvez. Si vous êtes chef d'entreprise, on vous demande également de vous affirmer en tant que leader. Et de ne pas céder aux caprices ou aux revendications des autres. Donc de garder vraiment votre position hiérarchique dans ce domaine. Alors attention, parce que le 4 ici représente quand même l'empereur. Le 4 dit que vous avez les capacités pour construire, pour bâtir, pour vous ériger, vous élever en tant que personne responsable, droite et honnête. Mais attention, parce que quand nous avons le pouvoir, nous usons de notre pouvoir, de notre puissance intérieure, de notre capacité à être droit, à être fier, à être honnête, à avoir tout le potentiel pour diriger, l'empereur peut aussi nous indiquer qu'il faut faire attention à votre comportement, à vos paroles. Vous êtes en pleine ascension, donc vous allez vraiment vers des postes à plus haute responsabilité. Vous vous affirmez, vous êtes fier de vous, vous avez beaucoup de confiance en vous. Un surplus de confiance peut aussi vous faire ramener votre ego en avant, donc il faut vraiment faire attention, parce que ça peut irriter les autres, ça peut susciter beaucoup de jalousie, de la rivalité, parce que les autres ne sont peut-être pas prêts à cette ascension. Il vous envie énormément. Donc si vous restez vraiment dans la droiture, dans l'honnêteté, dans la justice et dans l'affirmation de vous-même, vous susciterez beaucoup moins de complots, de disputes, de jalousies. Vous êtes en train de retrouver un équilibre, un ancrage, vous êtes très terre à terre. Votre maîtrise des choses accroît vos capacités de leader ici. Si vous êtes en couple, ça peut aussi nous indiquer que il y a des sentiments forts, des sentiments de stabilité et de fidélité entre les deux partenaires, entre vous et votre autre. Si vous êtes seul, ça peut annoncer bientôt, imminemment, une grande histoire d'amour, mais une histoire d'amour qui va durer dans le temps. Et qui va durer, voilà, avec beaucoup de sérénité, de stabilité, de sentiments très forts et partagés ici. Le 8 nous parle, puisque quand on additionne le 4 et le 4, on arrive à 8, vous parle de votre abondance matérielle, vous parle de votre capacité à créer votre abondance financière, matérielle. Vous êtes motivé, vous allez vers le succès, vous allez vers la réussite. Attention à bien savoir gérer votre argent, me dit votre ange. Ça peut être à double tranchant, hein. Donc, utilisez vraiment votre argent à bon escient.
sans en faire des tonnes, donc sans dépenser exagérément. Et vous allez vraiment pouvoir vous construire une vie très sécurisante, très stable pour vous et pour votre famille, pour les gens qui vous entourent. Donc le 4 est vraiment un signe de grande stabilité. Il faut juste que vous l'utilisiez vraiment avec votre plein potentiel. Dans les chemins Vie 4 notamment, nous avons des personnes ici qui peuvent être étroitement liées à tout ce qui est protection de la planète, de notre planète Terre, notre mère Gaïa. Donc tous les métiers qui sont liés à l'environnement, à l'écologie. Mais vous avez également de fortes capacités de communication. Vous pouvez être étroitement lié au monde politique, au monde des affaires et au monde de la justice. Notamment, ça peut être juriste, ça peut être juge, avocat, tous des métiers où vous avez besoin de vous affirmer, mais vous avez également besoin d'être impartial, d'être droit, d'être honnête et d'être juste. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parle un maximum. Nous allons aller prendre une carte du petit message des anges ici au moment où je vous explique cette heure miroir à travers les anges. On va voir ce que les anges ont à vous dire, s'ils ont un petit message supplémentaire pour vous ici. N'hésitez pas bien sûr en partant à liker, à commenter, à partager les amis et à vous abonner pour les petits nouveaux. Alors, on y va. Qu'est-ce que les anges ont à dire ici aux personnes qui voient régulièrement leur miroir 4h4. Nature, ben oui. On parlait de votre prédilection justement à être très ancré et à protéger la nature et l'environnement. On vous dit que pour renforcer cet ancrage, vous pouvez aller enlacer un arbre, jardiner et passer du temps au vert. Voilà. Moi, je vous dis à très bientôt. Et puis, on se retrouve pour une prochaine heure miroir. À bientôt, les amis.